ces délicieux petits biscuits, dont l'origine remonte au 19e siècle, sont une spécialité de Borgo Manero. En 1869, un pâtissier inventa ce gâteau particulier à l'aspect pas très beau, mais délicieux à grignoter. Il sut tout de suite conquérir les habitants et les voyageurs. L'inventeur obtint un prestigieux titre honorifique à la 22e Exposition internationale culinaire de Paris en 1905. Une variante, expérimentée avec succès, fut d'ajouter de la farine au mélange. Une autre spécialité, au nom cocasse, naquit aussi d'un mordéré. Peut-être d'après la dureté, en les mordant justement comme s'ils fussent des os. La préparation est facile. Pour les broutes mabonnes, en dialecte, montez les blancs en neige très ferme dans une casserole, ajoutez le sucre, la vanille et la cannelle. Mélangez toujours du bas vers le haut. Ajoutez les noisettes hachées finement et mélangez encore. Aromatisez avec de la cannelle et le zeste râpé du citron. Faites cuire au feu jusqu'au moment où la pâte commence à prendre de la couleur et se détache des parois et du fond. Au moyen d'une cuillère, formez des petits tas gros comme une noix. Disposez-les sur la plaque beurrée et farinée ou couverte de papier sulfurisé et faites-les cuire dans un four chaud, 150 degrés, pendant 15 minutes. Vous pouvez contrôler la cuisson selon la couleur qu'ils prennent, dorée, ambrée. Attendre qu'ils refroidissent avant de les détacher du fond. Au contraire, pour réaliser les caractéristiques os da morte, il faut ajouter au mélange des noisettes hachées, du sucre, des blancs d'œufs, de la farine de blé tendre. Pour la préparer, il faut mélanger le sucre et la farine avec les blancs d'œufs et parfumer avec du citron de façon à obtenir une pâte un peu compacte. Ajoutez les noisettes et mélangez soigneusement. Enroulez la pâte sur la table et coupez-la en plusieurs tranches. Modelez les petits morceaux pour donner au gâteau une forme d'os. Mettez-les sur un plat huilé, allant au four à 180 degrés pendant 15 ou 20 minutes. Ces deux recettes de petits biscuits peuvent être accompagnées de thé l'après-midi et conservées pendant quelques temps dans une boîte en fer bien fermée à une température inférieure à 20 degrés. Vous pourrez offrir ces petits gâteaux avec du Collini Novaresi DOC aux couleurs plus ou moins intenses et à la saveur sèche et harmonieuse. Os à mordre. Ces petits gâteaux sont excellents avec du Collini Novaresi DOC obtenu avec les raisins Nebbiolo, Croatino, Uvarara et Vespolina. Son bouquet est intense. Ce vin sera servi à une température comprise entre 18 et 20 degrés.